Oups. Casse les couilles, Satan. Putain. Il y avait pas de parquet avant. C'est pas la même cuisine. On s'est trompé de maison. Salut les gars! Les gars? Y'a quelqu'un? C'est bizarre, j'ai cramponné la porte. Bon. Salut à tous et à toutes, c'est la rentrée! Ah, non, pardon. Je refais. C'est la rentrée. Ah bah finalement, on s'est pas planté de baraque. Et étant donné que tout le monde retravaille, j'ai décidé de faire comme d'habitude, de faire un thème sur le travail comme tu l'as fait il y a un an. Non, je reste dans le thème des vacances. T'as pas vu le titre de la vidéo pour l'émission? Parce qu'on fait une émission? Une catégorie 5 jeux, bienvenue dans le top 5, bande de gamers et gameuses. Aujourd'hui, les naufragés. Numéro 5, Dead Island Riptide. Alors oui, il y a un ou deux jeux qui vont revenir par rapport au top 5 précédent. Vous avez débarqué sur l'île de Banoï et vous en avez rééchappé en vous enfuyant. Bravo. Mais il me semble que vous oubliez un petit quelque chose. Ce petit quelque chose qu'on appelle... le destin. Qu'est-ce qui se passe? Car si vous avez débarqué sur Banoï, là vous échouez sur Palanai qui elle aussi est infestée de zombies en tout genre et qui va avoir droit aussi à sa bombe nucléaire. Ouh, Dame Fortune n'est pas passée par là. Et c'est reparti pour reconstruire des armes de fortune et parler à plein de personnes, blablabla. Mais le jeu a été un poil décevant parce qu'on fait beaucoup de va-et-vient. Et regardez-moi un peu cette carte avec tous ces petits chemins, ces petites rivières, on s'y perd, je vous jure, c'est un vrai labyrinthe, bordel! Il est où le chemin de la guérison? Enfin, ne vous en faites pas, sinon le jeu est plutôt correct. Numéro 4, Saw Blonde. Alors ici, ne pensez pas que c'est une Lara Croft, c'est tout le contraire. Ici, la jeune fille qui échoue s'appelle Sony, elle a la vingtaine, elle est blonde, et elle est un petit peu conne sur les bords. Oh! Bonjour le cliché. Comment tu vas? La jeune Sony est passée par-dessus bord du yacht de ses parents et se retrouve maintenant sur une île pleine de pirates. Alors attention, quand je dis pirates, hein, je parle des pirates du 18e siècle. Parce qu'en fait, l'île est bloquée dans le temps. T'es sûr que tu racontes pas un porno là? Attends, je vérifie quand même. C'est un bon point and click comme à l'ancienne et qui me rappelle un certain Tales of Monkey Island. Les décors sont très colorés, la voix française est bonne, Sony est un personnage assez attachant. À poil la chiotte! Saw Blonde est donc un jeu que je conseille à ceux qui aiment le point and click. Voilà, voilà. Numéro 3, Far Cry. Ah bah je vous l'ai dit que certains jeux allaient revenir. Rappelez-vous, dans le 3ème, c'est une bande de jeunes qui se faisait pouiller la gueule par des pirates modernes. Et dans le 1er, c'est un homme échoué après un naufrage. L'île est pleine de pirates, sinon c'est pas drôle. Et comme le hasard fait si bien les choses, l'homme en question est un marine. C'est ce que j'appelle une putain de coïncidence. Rebonjour le cliché. Far Cry s'est surtout démarqué pour son terrain de jeu plutôt grand pour l'époque, pour sa mise en scène et sa narration. Mais du pirate ou du marine, je me demande qui a eu la malchance de tomber sur l'autre. Bienvenue en enfer, petit gars. Peu importe le moyen de locomotion, les armes à prendre, le nombre d'ennemis à buter, l'important est de sortir de ce cauchemar. Et rappelez-vous qu'un soldat échoué sans armes, ça peut toujours être dangereux. Rambo est là pour nous le rappeler. Yes, la foi est toujours présente. Numéro 2, Tomb Raider. J'avais légèrement parlé de Lara Croft tout à l'heure, alors reparlons-en. Ça fait plaisir. Comment est-elle devenue la femme froide et fatale que nous connaissons? C'est ce que Square Enix s'est demandé et c'est une très bonne question. Et c'était très osé. Le Seigneur vous l'a rendu en vous faisant un max de recettes. On incarne donc une Lara Croft de 21 ans, intelligente, sportive et un petit peu naïve. La proie parfaite en somme. Mais pas de chance car l'île où elle veut faire ses recherches est maudite. Donc après un bateau qui a fait glouglou, elle se retrouve elle et ses potes échoués sur l'île. Et traverser toute l'île en système D et voir certains de ses amis mourir devant ses yeux, c'est sûr, ça forge le caractère. Prends-en donc plein la gueule, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Bah il en veut pas, hein, c'est son boulot. Jonah!
numéro 1, The Legend of Zelda Link's Awakening. Et oui, ce sont des jeux récents qui sont apparus dans Stop, et c'est un jeu rétro qui est premier. Bravo. Sorti en 1993, le titre est devenu un classique à avoir sur la Game Boy tellement il est bon, et approuvé par Dieu. Nous savons tous que naviguer pendant une tempête, c'est très dangereux. Mais lui, Link, il s'en bat les couilles. Il possède la Triforce, il a affronté les ténèbres, il a sauvé une princesse, alors une tempête en... On est suicidaire à ce que je vois. Alors c'est évident, il fait naufrage et s'échoue sur une plage. Heureusement, une jeune femme nommée Marine passait par là et vous ramena dans sa maison. Pour ensuite vous dire que votre épée est restée sur la plage. Assez gentil de me prendre, hein, mais t'aurais pu prendre mon épée avec, espèce de blonde. Une bonne action à la fois, s'il te plaît. Bref, c'est reparti pour l'aventure, et honnêtement, les jeunes. C'est une putain d'aventure. Le top 5 est terminé, je vous remercie de nous suivre, ça nous fait très plaisir. Partagez la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, ciao. Message in a bottle.